Bonjour René. Salut tout le monde. Ça va bien? Oui, vous autres? Disons qu'il y a Yes. des jobs pire que d'autres, hein? Tu as passé Ah oui, il y en a qui certainement un sont bon très le moment fun. dans les derniers jours. Oui, surtout quand, justement, comme tu dis, quand on passe un bon moment dans ce qu'on est en train de faire, ça va encore mieux. Des Ouais. fois que c'est un peu plus pénible, mais celle-là, je peux dire que c'était pas des vacances, mais c'était une partie Quasiment, hein? plaisir. J'avais bien hâte de t'entendre là-dessus. Donc, Horizon Zero Dawn, pour ceux qui ne Oui. connaissent pas ça, René, on incarne qui? Et Ben, tout d'abord, ça se passe quand? ouais, ben tout d'abord, ça, c'est un jeu de Guerrilla Games, ceux qui nous ont donné Killzone. Puis il avait travaillé aussi en 2004 sur CellShock NAM 67. Puis depuis ça, on est habitué de les voir dans les shooters. C'est des shooters. Ceux qui connaissent Guerrilla Games, c'est des shooters ou presque. En 2011, ils ont commencé à travailler sur le développement de Horizon Zero Dawn, qui est un jeu de action, si on veut, RPG open world, avec un paquet de trucs qu'on peut faire. Ça fait penser, si on veut, un gros mélange de Far Cry, de... Voyons, les noms m'échappent, j'ai mal voir de... Ben, pas Assassin's Creed, parce qu'il n'y a pas vraiment... Bah, il y a des sauts un peu en haut, mais c'est un gros mélange de tous les bons jeux de RPG qu'il y a Un peu ces des temps-ci qui éléments de sont sortis. Fallout ou Oui, quelques-uns un peu. Comme je te dis, ça prend un paquet de jeux, ça les met ensemble. Ils se sont inspirés par-ci, par-là, pour nous donner une bonne recette assez gagnante, là, si on veut. C'est le... Comme dit dans ce jeu-là, on incarne Aloy, une petite fille. Au début, c'est une petite fille, on l'incarne au début... plus jeune à 5-6 ans, si on veut, là. L'âge n'est pas donné, c'est, là, on la voit. Puis c'est une fille qui a été comme jetée d'un clan. Elle veut faire partie des Nora, mais elle a été, c'est une paria. Fait qu'elle a été jetée de là. Puis là, il y a un Ross, un gros gars, qui s'occupe de nous autres. Lui, il est paria, on sait pas pourquoi. Puis c'est lui qui s'occupe de nous, vu qu'il nous prend bébé, puis il nous aide, il nous éduque, il nous élève à devenir une chasseur, devenir quelqu'un, être capable de survivre dans un monde de fous. Parce que pour ceux qui ne sachent pas, dans Horizon Zero Dawn, ça se passe peut-être 1000 ans, si on veut, d'ici, la Terre a crashé, puis les robots sont devenus comme, ils ont, pas maîtres, mais tu sais, ils ont repris. Puis là-dedans, la planète, c'est la Terre qui a comme a repris le Donc, est-ce que je power, comprends ça. que la technologie, René, tout est parti en couille, puis tout ça, là? Oui, c'est ça, la technologie est partie en couille, mais tu sais, c'est quand même, elle nous attaque pas, je veux dire, elle vit avec nous pareil, même si on chasse, on peut vivre à côté, puis elle nous attaquera pas tout le temps, on peut faire des maisons, puis son but, elle viendra pas nous attaquer chez nous, là, tu sais. La technologie a pris le dessus, si on veut, à l'air là-dedans, elle a pris la place comme de certains animaux, puis ça roule, ça bosse là-dedans, puis nous, on apprend à survivre là-dedans, à chasser les machines, parce que bon, on les aime pas pareil, c'est à cause d'eux autres si on les rend dans un monde aussi bizarre. Fait que là, Fait on que a... On... dans le fond là, c'est plusieurs années après le jugement dernier dans Terminator 2. Ah, Ouais, ça c'est une c'est belle ça. idée. Oh. Oh. Mais il n'y a pas de T2, on n'en voit pas. Le T2 a évolué. Mais ça reste comme on la suit, elle. Fait que, si on la présente jeune, ça nous donne le temps de s'accrocher à elle, de s'attacher au personnage. On a un certain attrait auprès de la petite Aloy, déjà qui est quand même jolie. Quand elle vieillit, là, bébé, elle est un peu plus trop jeune. Il ne faut pas toucher à ça, Steve. Mais non, si on la voit vieillir, on fait qu'on s'attache. On prend un peu on aime la suivre. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à notons ta PlayStation, peu importe anglais, français, ben il y a une option français, anglais. Fait que tu sais, ceux OK. qui sont pas familiers vont pouvoir suivre justement l'histoire, parce que l'histoire est quand même un scénario solide que je dirais ça pourrait être adapté en film. On aurait un bon film d'action, on aurait quelque chose à faire intéressant. Fait que jusqu'à là, c'est l'histoire, comme on dit, ça vaut la peine d'être suivi. Là, dans l'histoire, on va être invité à faire des choix qui vont influencer au courant de la partie, qui vont nous influencer. Tout au long du déroulement. Oui, tu sais, des fois, on n'a pas l'impression que le choix a un impact majeur, mais il y en a une. C'est juste que, tu sais, tout dépend de ce que tu as choisi, parce qu'on peut choisir un choix du cœur, un choix du cerveau, ben, de tête, si on veut, et un choix de force. C'est-à-dire, mettons, au début, qu'on est toute petite fille, il y en a un qui nous fait suer, si on veut, pour utiliser des bons mots. Puis, à un moment donné, on nous invite à faire un choix. Est-ce que je le fais suer à mon tour? Est-ce que j'y Ok. explique que t'es Donc, méchant? raison, Le cœur, cœur, puis la force, si ok. on veut, là, la vengeance, si on veut. Ok. Mais c'est justement, c'est des attraits vraiment qui vont venir plus tard, qui vont avoir un changement quand tu vas rencontrer le personnage plus tard, mais ça a un impact. Ton choix impacte le déroulement, si on veut, de la scène. Il y en a qui vont avoir plus d'impact que d'autres, mais tu sais, au début, c'est ça, la différence. Plus on avance, plus on a du Ok. stock. J'aurais une question pour Oui? toi. On en a vu quand même quelques-uns depuis 5 ans, je te dirais, des jeux de ce type-là. Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait que ce Horizon Zero Dawn-là se démarque des autres? Je dirais, je pense que c'est l'heureux mélange, puis le fait qu'il nous emmène dans quelque chose un peu différent. Oui, on a beaucoup de jeux après l'apocalypse, on a beaucoup de jeux dans le futur,
Mais celui-là, on dirait qu'il y a un petit quelque chose d'attachement. Je sais pas si... Tu sais, quand j'ai commencé à jouer, moi, j'avais adoré à l'époque The Last of Us. Mm-hmm. Puis on dirait que j'ai ressenti le même petit feeling de « Ah, wow, c'est nouveau dans du déjà-vu. » On dirait qu'on nous présente de quoi qu'on a déjà vu dans un paquet de jeux, mais qu'on nous le présente d'une façon qu'on dirait que c'est la première fois qu'on touche à ça. Puis ils viennent nous chercher, là. Ouais, mais c'est ça. On embarque, on en veut plus. C'est comme si, je sais pas, je t'ai jamais goûté ou tu te rappelles plus du goût du gâteau au chocolat. Je prends une part, c'est comme « Wow, c'est bon. » Puis T'en veux. Mais c'est ça, on dirait que tu y touches, t'es comme, je sais pas pourquoi au début j'aime ça à ce point-là, puis plus ça va, t'es comme, l'histoire t'attire, le gameplay, la mécanique, ça se prise en main, et c'est comme quasiment intuitif, on prend ça, puis même si on faut frapper avec le R1 et le R2, ça, R1 va donner, admettons, avec la lance, un petit coup léger, le R2 va donner un coup destructeur plus fort, on dirait que tout vient inné, je dirais la seule affaire des fois qu'on a de la misère, c'est la roue de... pour choisir notre les armes, là, la roue de choix, mm-hmm. On peut prendre des arcs à flèches, on a des frondes, on a des arcs à cordes qui fait comme des pièges. Et qu'on dirait que c'est quand on touche à ça, c'est la seule touche, je dirais, qui est pas intuitive, mais tout le reste, le contrôle, c'est intuitif. Puis dans l'histoire, c'est ça, comme je te dis, on peut y aller, on nous emmène du côté de, mettons, à la Metal Gear, là, plus d'infiltration, plus tranquille, aussi qu'on essaie d'attaquer personne. Okay. On a un côté qui nous emmène Destroy, on peut des. Okay. Tuer tout le monde, fait qu'on est comme donc, libre. On peut faire les deux, mais est-ce que je peux, comme moi, mettons, qui est un peu plus rock'n'roll, est-ce que je peux décider de jouer ce jeu-là en étant plus rock'n'roll, ou c'est plutôt des niveaux qui me permettent de le faire, mais qu'overall, il y a un niveau calme, un niveau où il faut que tu sois vraiment furtif, sinon tu réussis pas, ou si je peux faire ce choix-là de le faire furtivement presque au complet, ou rock'n'roll presque au complet? Tu le fais pas mal comme tu veux. C'est juste que si tu, mettons, à certaines places, tu décides d'y aller rock'n'roll, tu vas peut-être dire des gros mots, tu vas peut-être. Comme rusher un peu plus, il y a un niveau à un moment donné, il faut battre des bandits. Parce que oui, à un moment donné, l'humain est le plus grand ennemi, puis à un moment donné, l'humain est rien. Ça coûte assez cher à faire ça d'habitude. Ouais, ben c'est ça, c'est le cas qui va t'arriver là-dedans. Si tu décides d'y aller des fois mollo, tu vas y aller furtif, tu vas pouvoir, mettons, faire les attaques, des attaques furtives, tuer des animaux d'un coup, des robots. Là, quand je parle d'animaux, on parle de robots aussi. Parce que oui, il y a de la chasse avec les animaux, mais la majeure partie, tu chasses des machines. Fait qu'on va choisir des machines au lieu des animaux. Fait que tu vas passer les machines plus rapidement, plus furtivement. Mais tu peux rentrer dans le tas, attaquer. C'est juste que les machines vont peut-être arriver. Il y a des fois, les machines, c'est des petites machines gentilles comme des chevaux, si on veut, en parenthèse, ou des chevreuils. Eux autres vont t'attaquer, oui, mais ils vont plus avoir tendance à fuir. Mais si tu arrives avec les Sabertooth, des gros robots qui ont l'air de gros lions, puis des tigres à dents de sable, si on veut, comme pour exemple, eux autres, si t'es en 2-3, mais ils vont t'attaquer à 2-3. Les charognards, c'est la même chose, c'est des genres de hyènes. Ils vont t'attaquer, eux autres, sans gang. Fait que tu vas rusher plus là-dedans. Fait qu'oublie l'arc à flèche là-dedans, vas-y avec ta lance puis tes bâtons, puis plus ça va aller, plus tu vas développer des tactiques. Quand à un moment donné, tu vas pouvoir justement apprivoiser, pirater ces monstres-là pour justement les utiliser pour toi. Fait que c'est plus ça va aller, tu vas pouvoir développer vraiment, comme je te dis, plusieurs types de jeux. Fait que s'il va dans Mania Destroy, puis tu réussis à pirater un robot, une machine qui est d'attaque, qui est conçue pour attaque, ben tu vas avoir un allié avec toi qui va attaquer pendant ce temps-là. Mais s'il va avec... t'sais, de manière plus furtive, plus tranquille, ben ce robot-là, il va attaquer, mais tu vas t'en foutre, tu vas te laisser aller, il va faire le job à ta place. Mais malheureusement, il y a des fois dans des séquences que, tu sais, il y a un niveau, justement, je me rappelle avec un personnage, il dit, viens, on va aller attaquer le camp des bandits. OK, pourquoi? Mais parce qu'ils font suer tout le monde, puis ils volent tout le monde. OK. Mais tout le long, il a jamais rien fait. Je l'ai fait furtif, je sais pas, c'est parce que j'ai opté l'option furtif, mais lui, tout le long, me suivait, puis... J'étais comme, OK, mais tu sers à quoi? Toi, va donc cueillir des fleurs, elle attendait, va faire de quoi? Non, aucune initiative, là. C'est... Bon, non, il n'a rien fait, puis je l'ai même pas fait attaquer quelqu'un. À la fin, il dit, hey, on a bien fait ça. Non, t'as rien fait, toi. Mais, tu sais, c'est t'as peut-être des petits côtés de même, c'est comme, pourquoi toi, t'as rien fait? Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un jeu, tu sais, c'est comme je te dis, il y a du Far Cry, les améliorations dans Far Cry, on avait comme des gros logos qu'on achetait des compétences, on veut, puis on disait, je sais, mais dans celui-là, on a des compétences pour l'aspect rôdeuse, la furtivité, les meilleures visées. On a un temps de. On peut prendre un temps pour viser justement quand on vise les animaux ou les robots. On a le brave qui va être l'endurance, notre force physique. Et on a aussi la survivance, ça va être nos guérisons plus rapides, des trucs pour porter plus de sacs. C'est qui vont nous aider plus de fleurs, plus de matériel. Parce que ce qui est le fun, oui, on a des potions qui vont nous donner de l'énergie, mais on a aussi des arbres, des herbes qu'on va cueillir, qu'on peut utiliser quand on est dans le jeu, quand notre énergie baisse trop vite. Je sais pas comment on appelle ça, du farming ou je sais pas quoi. Là. Ah, il y a du farming, oui, il y a des levels à prendre. Plus on va aller, on gagne de l'expérience. L'expérience va nous donner justement des points de compétence ou l'expérience va nous rendre un peu plus fort. Puis contrairement à certains jeux, mais l'expérience, on a l'impression que notre personnage devient plus fort, plus
sais, puis que les machines restent à un niveau comme ils suivent pas nécessairement notre évolution. Ok, Fait qu'on sent qu'on devient plus fort, là. Fait qu'on sent qu'on ouais. devient un peu Contrairement à meilleur. Destiny, dans lequel ton personnage il devient à des niveaux assez élevés, mais que tout suit, fait que finalement Ouais, c'est t'es ça. jamais plus fort vraiment. Dans celui-là, non, c'est ça. Dans celui-là, ce qui est le fun, c'est que notre personnage va rester plus fort. On sent l'impact. Oui, tu sais, mettons, au début, ça nous prend, mettons, un 4-5 coups, battre un charognard, qui est un petit monstre pas trop fort, mais puis plus ça va aller, plus ça va prendre un coup, deux coups. Puis, tu sais, si tu développes la furtivité, justement, tu vas pouvoir arriver, puis ça va être un coup, c'est fini. Un saut d'en haut, tu y rentres ça dans le dos, c'est fini. Puis ce qui est le fun aussi dans ce jeu-là, la petite à l'œil, ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle va se promener dans les anciennes mines, dans les anciennes ruines, puis elle découvre un genre de bidule, un genre de périphérique Bluetooth ou casque, appelez-le comme vous voulez, que ça lui permet d'avoir comme de l'holographie, ça lui permet de jouer un genre d'ordinateur, elle se promène, puis elle joue là-dedans. Puis ça va lui permettre de trouver les points faibles plus facilement des adversaires, et qu'on va voir, mettons, ah, mettons, le cheval, si tu tires sur les bonbonnes, mais le feu, il perd les bonbonnes, puis tous ces morceaux-là, on pourra les prendre justement pour crafter des Mais flèches, des bombes, des armes, écoute, tout, tu sais. je sais pas Steve, là, mais moi, honnêtement, là, je pensais pas que c'était aussi profond que ça, ce jeu-là, avant de l'entendre parler comme ça. Je pensais que c'était beaucoup plus superficiel que ça. Ouais, ça, c'est sûr que c'est, il y a l'air d'avoir beaucoup de stock là-dessus. Quand on parlait la semaine passée, que c'était un jeu qui avait l'air d'être fini, là, tu sais, puis vraiment, ils ont peaufiné à fond l'expérience. On a la preuve là. Mais je pensais à ça, une petite question, si tu permets. Est-ce que la progression est un peu limitée, un peu comme dans un Monster Hunter, là, tant que t'as pas tué tel monstre à telle place, l'histoire avancera pas. Fait que là, faut que tu t'organises pour farmer, justement, pour être de plus en plus fort, pour être capable de battre ce monstre-là, sinon l'histoire est jamais là. Ou c'est pas, tu pourrais faire le tour puis pas le tuer, puis c'est pas Ouais, tu peux grave, puis tu vas avancer continuer à sans. farmer. Je te dirais que la façon que je le vois à date, tu peux avancer dans le tour en fonçant, puis en disant, regarde, les quêtes secondaires, je m'en fous, je vais avancer, puis tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu. Oui, tu vas tirer peut-être rusher un peu plus sur certains bonhommes, mais en allant vers la mission, tu vas progresser pareil. Tu sais, tu vas prendre l'expérience. Des fois, tu vas aller parce qu'il faut que tu te rendes en marchant ou en chevauchant une machine pour te rendre du point A au point B, mettons, mais pendant ce point A au point B, tu vas peut-être déranger des veilleurs qui vont venir t'attaquer. Fait que tu vas les battre ou tu peux continuer sans les battre, mais tu sais, ah, pourquoi je vais pas les battre? Fait que là, tu vas les battre sur ton chemin. Puis quand tu es là-bas, tu vas farmer un peu, puis tu vas gagner l'expérience pour être capable de battre ce qui t'attend plus loin dans le chemin. Mais c'est sûr que moi, je m'amuse, honnêtement, je me suis amusé avec. Il y a tellement de à côté. Des fois, ah, va lui, va aider lui, va chercher tel médicament, va chercher telle chose. Je suis dans le jus, fait que tu t'évades, puis tu y vas, mais Es-tu tu vas pas. submergé par les quêtes secondaires à un moment donné? Tu sais, des fois, t'as un jeu, là, ça pop, là, qui pourrait être principal. Ouais, t'es Ouh, il y a perdu là, tu plein sais plus d'icônes de ta ta quête map, là. principale est Ouais. où. On t'en donne, mais c'est une option vraiment, c'est vraiment libre à toi d'y aller. Oui, des fois, tu as des moments où c'est que c'est plus tranquille, que tu vas avoir 3-4 quêtes, puis ta quête principale, tu vas te débarquer, puis les autres, ça font rapidement. En faisant une, tu fais quasiment les autres. Puis des fois, oups, t'es popé, puis là, tu te promènes. Ah, il y en a un qui dit, tu veux-tu aller sauver lui? Ah, tu veux-tu aller me trouver ça? Là, tu dis, OK. Mais, tu sais, en y allant, tu vas faire une autre quête, fait que tu es rempli quasiment en te rendant au point que tu prends. Fait que c'est comme, admettons, si on veut, A1, A2, mais t'es termine en te rendant au B. Fait que tu vas finir par les faire pareil, mais t'es pas obligé pareil de les prendre. Tu peux vraiment dire, je m'en vais à la quête principale, je les laisse de côté, je fonce là-dedans, puis je les ferai plus tard. Puis plus ça va aller, des fois, à un moment donné, tu vas avoir des activités comme des chasses. Si on aime les jeux, faire ça le plus rapidement. Ah, des Va chasser, mini-jeux. admettons, OK. 8 brouteurs en temps de temps, mais. Ça, c'est ce qu'on avait dans Far Cry aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est T'as pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup dressé quelques d'inspiration. parallèles, puis je les vois, là. Je les sens. Ouais. Ah, c'est ça, il y a beaucoup Ouais. de trucs pris là-dedans. Il y a des trucs de prix, justement, si on veut un peu Mass Effect. Moi, la barre de choix me rappelait ça. Il y a un paquet de OK. trucs qui vient d'un peu partout. Ça, je dis, c'est Ouais. pigé de partout, mais c'est amené d'une manière qui d'une belle Ça fait beaucoup. manière. Le Ouais. visuel, c'est waouh! On Ça regarde fait ça, même beaucoup ma copine penser était. à. Excuse-moi, je voulais juste dire, ça me fait beaucoup penser à Xenoblade Chronicles X, là, à Wii U. Le fait d'avoir un paquet de monstres, mais de ne pas être obligé de les tuer. Tu peux courir et aller buter lui là-bas, mais ce que tu vas faire en chemin, tu vas ramasser l'expérience. Les Ouais. quêtes principales, c'est pas secondaire. Tu peux en faire 28 pendant que tu marches parce que tu as ramassé la fraise dans un puis la pomme de l'autre. Comme tu dis, c'est beaucoup d'inspiration, de plein d'affaires. Ça me fait penser à ça. Non, mais Les c'est ça, puis tu boys, peux le acheter. temps file par contre, Oui. puis je veux Ah. vraiment entendre René là-dessus. Au niveau graphisme, toi, je pense que tu l'as joué sur PS4 PS4 Pro. Pro, oui, Il faut c'est quand même maintenant wow. tenir compte de ce paramètre-là parce que c'est une console qui a des facultés supplémentaires un peu, entre autres une résolution extrapolée en 4K. Je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as vu comment tu as trouvé ça en 4K sur Ben, tout PS4 Pro? d'abord, je te dirais que, tu sais, je trouvais au début, je t'en parlais ce matin, dans le 4K, je trouvais qu'il y avait un petit
laissait aller des fois au niveau du framerate. Je trouvais qu'il était. Tu sais, ça reste un jeu super beau, mais on a annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui une rustine justement pour qu'il va peaufiner la version PS4 Pro. Fait que les petits problèmes que je trouvais qui étaient là m'ont sûrement On va ajuster corrigé. le framerate, là. Mais ça reste vraiment magnifique, là. L'horizon, c'est beau, puis. Tu sais, je trouvais, j'ai arrêté des détails, mon PC, on est pas des détails de même. Je marchais à terre, je suis comme, hey, je fais-tu des traces dans la neige? Ben oui, j'en fais. Je fais-tu des OK. traces dans le sable? Ben oui, j'en fais. Tu sais, on l'arrête, puis des Ah, fois, c'est tu cool. regardes, je me retrouve, tu grimpes en haut d'une montagne, puis tu fais juste regarder en avant, t'es comme, wow, c'est beau, le soleil, les lumières, l'éclairage. Puis maintenant, on monte sur un gros robot, puis on a l'occasion de voir le paysage encore là, puis tu sais, ça reste vraiment magnifique, c'est vraiment beau. Sur le 4K, ben c'est encore plus wow, mais déjà, si vous n'avez pas une 4K, le jeu est wow en partant, là. On a une bonne cote. Des fois, je dirais des petits reproches. Tu sais, il pleut, on voit la face mouillée, mais on voit pas de goutte tomber. C'est comme, OK, pourquoi tu m'en as pas mis? Puis, tu sais, les conversations, ça va tout le temps être moi de ce plan-là, en train de parler. Oups, après ça, je suis de dos. L'autre, il parle. Oups, je suis devant. Fait que, tu sais, on voit les lèvres parler, on va bouger, mais tu sais, c'est souvent des plans comme face à face pour être sûr d'avoir le moins de peut-être technique, moins de gestion. Ça va peut-être en déplaire à quelques-uns, mais ça reste quand même super beau. Les cinématiques, on voit pas vraiment de différence avec le jeu. Ça reste beau, on se promène, tout le jeu est le fun à découvrir. On vient à détester du monde à cause justement de l'histoire. C'est vraiment une surprise parce que oui, je m'attendais à aimer Horizon, parce que quand je voyais les vidéos, je suis comme wow, mais je m'attendais tellement à être déçu, à pas avoir ce que je veux. Puis, on se dit que c'est une première incursion de Guerrilla Games dans le monde du si on veut third person, là, dans Killzone, il n'y en avait pas vraiment. Et que j'étais Ben, en tout comme cas, ça donne j'ai le la peur goût, ça parce que. donne le goût. Non, jusqu'à René, maintenant, évidemment, ça a été une longue critique. Ton pointage sur 10. un gros 9 sur 10. C'est bon. Facile. Oui, il y a des petites lacunes, mais ce qui font que c'est pas un jeu parfait, mais c'est vraiment une bonne expérience de jeu, C'est puis un pour une fois, pointage un investissement qui excellent. vaut la peine. Bon. Un gros merci, René, pour cette critique.